La bataille pour le contrôle de terminaux pétroliers fait rage dans l'est de la Libye. À Al-Sedra, une citerne touchée par une roquette a pris feu. Ce port pétrolier ainsi que celui de Ras Lanouf ne fonctionnent plus depuis que des miliciens proches du groupe Hop de la Libye les ont attaqués. À Sirte, ville natale du colonel Kadhafi, au moins 19 soldats ont été tués par des miliciens islamistes. Depuis plusieurs mois, deux gouvernements en concurrence revendiquent chacun le contrôle du pays. Celui du Premier ministre Abdullah Al-Thini, reconnu par la communauté internationale, et la coalition Hop de la Libye, qui s'est emparée de la capitale Tripoli et y a installé son propre gouvernement. Depuis fin août, plusieurs centaines de civils ont été tués à travers le pays. La Libye a plongé peu à peu dans le chaos après le renversement de Muammar Kadhafi en 2011.